Salut tout le monde, comment ça va? On se retrouve ce soir pour le stream sur Star Citizen, toujours sur la 3.24.1, même si il y a quand même quelques trucs à dire par rapport à la 3.24.2, je vais y venir, je vous rassure, d'où le titre du stream d'ailleurs au passage. Notamment là, normalement aujourd'hui on devrait avoir un tech preview par rapport au Serum Meshing, c'était prévu initialement pour hier, puis décalé à cette nuit, puis au final aujourd'hui. Enfin, on l'espère, bien entendu. On va parler évidemment de ce qui se passe actuellement sur 3.24.2, notamment un élément qui semble cristalliser toute la tension des backers actuellement sur Star Citizen, le cas du corsaire. Et vous voyez avec mon sourire que je vais pas être tendre. Voilà. Hello, salutations à tout le monde, salutations Berserkia, salutations Jagrim, salutations Naofel, salutations Florent, merci au passage Florent pour l'abonnement niveau 2, 44 mois complet, merci beaucoup. Salutations Mirozen. Attention tout le monde, on est ensemble jusqu'à 23h, n'hésitez pas à vous prendre un petit peu de holly. Alors moi malheureusement c'était pas du holly, je triche un petit peu, c'est de la grenadine. Parce que j'ai toujours pas reçu ma commande de holly parce que je l'ai commandé que vendredi, donc j'aurais dû commander plus tôt. Mais voilà. Point d'exclamation holly pour vos LTE, j'utilise quand même un shaker de holly parce que bah, c'est quand même pratique, mine de rien, hein, c'est pouvoir une petite bouteille comme ça. Plutôt cool. Il y a Rosen qui dit le corsaire c'est juste un bug, il n'y aura pas de changement. Alors si, ça a été officialisé en fait par rapport à ça que les armes sous le nez du corsaire vont être utilisées uniquement par le copilote, pas par le pilote. On va en parler un petit peu. Et c'est à son phrase. Alors, on va faire un petit peu de contexte qui va faire grincer les dents certaines personnes. Ça va faire grincer les dents certaines personnes et je vous cache pas que. Oh, de là à dire, j'ai en prends un petit plaisir malsain. Il n'y a qu'un pas. Que je franchirai pas, bien entendu. Mais bon. Le corsaire est donc un vaisseau Drake qui est fait pour l'exploration, pour, il me semble, j'ai plus ces 3 ou 4 personnes. On va regarder un petit peu sur le site Hercule. Hop, le corsaire. Et donc c'est assez encasé. Nous disions Drake, corsaire. Un vaisseau qui est fait pour 4 personnes. Il a été designé pour 4 personnes. Ok. C'est un vaisseau qui a une tourelle latérale, une deuxième tourelle latérale, une place de pilote et une place de copilote. Que là tout va bien. Et c'est assez en has-been. Il a en plus visiblement une tourelle arrière équipée de 2 armes taille 2 qui est gérable par le copilote également pour pouvoir faire la défense. Et cette ascension est impeccable. Je rappelle que ce que je viens de dire, le corsaire est un vaisseau d'exploration. Et donc c'est assez ardente. C'est assez Pikmin. Mirozen qui dit, je trouve ça normal qu'il ait autant d'armes car il a moins de cargo que le Constellation par exemple. C'est pas un vaisseau de cargo, c'est un vaisseau d'exploration. Voilà. C'est pas un vaisseau d'exploration, c'est un vaisseau de bataille. C'est un vaisseau d'exploration. C'est rôle, expédition, carrière, exploration. C'est un vaisseau d'exploration! Et donc, comme je le disais, là, depuis hier, avec l'annonce officielle que les 2 armes taille 5 qui sont sur la partie inférieure du vaisseau, et ça a été sans Covenant, ces 2 armes taille 5 ne seront plus contrôlables par le pilote, mais uniquement par le copilote. Mais Rosen qui dit Aquila, c'est en exploration, pas le corsaire. L'Aquila, c'est en exploration, le corsaire aussi. Alors, l'Andromeda, c'est pas en exploration. L'Andromeda, c'est un multirôle. Nuance. C'est un multirôle à tel point que même l'UE l'utilise dans les flottes en tant que vaisseau de soutien missile. Nuance. Donc, je rappelle que ce qui cristallise un petit peu l'attention des backers depuis hier par rapport au corsaire, c'est le fait que CIG a expliqué que les 2 armes inférieures de taille 5 ne seront plus utilisables par le pilote. C'est uniquement le copilote qui allait pouvoir les utiliser.
Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas super intéressant parce que les armes ont un débattement qui est assez ridicule. Je suis d'accord, c'est pas forcément le meilleur truc. Peut-être faire en sorte qu'il y ait une meilleure articulation par rapport à ça, pourquoi pas, c'est pas grand chose à modifier. Dans Falcon, du coup, c'est lequel maintenant le vaisseau méta qui se manie comme un haro avec la soute et un tracteur beam, 8 armes taille 5, pilotable en solo. Me dis pas que ça n'existe pas. Justement, par rapport à ça, Néophel, j'allais y venir. Le gros problème qu'il y a par rapport à ce drama, et je mets des guillemets parce que vraiment, c'est des putains de snowflakes, les personnes qui gueulent par rapport au corsaire. J'en blessais plus d'un, mais ouais, en vrai, j'en ai un peu rien à foutre de ça. Hein. C'est les personnes qui veulent impérativement un Jack of all trades. Comprenez ici, un vaisseau capable de tout faire, et de tout faire bien. Spoiler, ça n'existe pas dans Star Citizen. Donc, ces personnes-là chougnent un petit peu beaucoup parce que, oh là, leur corsaire qui était un vaisseau de. Bah. Non, c'est un vaisseau d'exploration. N'est plus capable de flinguer un adversaire du gabarit d'un 890 jump en 15 secondes. Alors, si, il est toujours capable de le faire, hein, mais c'est juste qu'il faut maintenant moins d'équipage en plus. Alors, j'ai vu 2-3 arguments. Je mets des putains de guillemets parce que je peux pas considérer ça comme étant des arguments. Traîner sur internet, notamment sur Twitch, sur Twitter, excusez-moi. Par rapport au fait que, oh là, c'est n'importe quoi ce que c'est dit, ils font. Premier argument que je trouve qui est totalement débile, c'est. Franchement, CIG, c'est pas cool ce que vous faites, c'est pas moral de faire ça, de modifier les caractéristiques d'un vaisseau après l'avoir vendu. Alors, je rappelle au passage quand même que lorsque vous passez par la caisse sur le site de CIG, que vous prenez votre. Et merci Ursulac pour le follow, merci beaucoup. Je rappelle que lorsque vous passez par la caisse sur le site de CIG pour pouvoir acheter un vaisseau, il y a marqué noir sur blanc que les statistiques ne sont amenées à changer, que c'est pas gravé dans le marbre en fait. C'est pas représentatif de ce qu'on aura dans le jeu final. Donc bon, et ça t'a sans Quincy. Déjà, ça, cet argument-là, c'est un argument de. J'ai tellement le même, vous savez, c'est avec James Franco, si je dis pas de bêtises, qui se fait passer la corde au cou. Oui, Stone, il fait First time here. Voilà, ouais, c'est. Pareil. Pareil, même par rapport à ça, avec notamment, bah, je sais pas, vous regardez le Prowler, vous regardez le Ares, vous regardez tous les vaisseaux quand ils ont été intégrés, ils ont été modifiés. La même chose, quoi. Leur nom de kiff, fallait juste baisser les armes taille 4 au lieu de faire une sorte de corsaire DS. C'est un choix de la part de CIG. C'est-à-dire que là, pour le coup, je vais y venir en soi, c'est pas si problématique que ça. Ça va être par rapport au deuxième argument que j'ai vu passer. Même sous les commentaires de mon replay. C'est pas si problématique que ça qu'il soit passé en DS, entre guillemets. Et merci Serapaka pour l'abonnement 2 mois complet, merci beaucoup. Mirozen qui et stats ont déjà changé sur Constellation et le Corsair. Il y avait 4 T4, maintenant c'est 4 T5. Ok. Quand je disais le Constellation, c'est un vaisseau multirôle qui est utilisé notamment par l'armée pour pouvoir faire du support feu dans une flotte. Donc en soi, ça me choque pas plus que ça. Land Kill, ils apportent pas du gameplay, juste de la frustration. C'est juste un choix débile pour la confiance entre les devs et les joueurs. Non, je vais venir par rapport à ça, Land. C'est-à-dire que j'ai vu les personnes qui. Bah, je vais vous retrouver directement le commentaire. Alors là, c'est pas la seule personne qui a dit ça, il y en a d'autres qui ont dit ça sur le Discord, j'ai vu ça passer sur Twitter également. Le problème du corsaire, c'est que du coup, il y a un trou dans la capacité du vaisseau, vu que le copilote ne pourra pas gérer la remote turrette et les deux armes à l'avant. Donc il y a une perte brute. Même full équipage, le corsaire ne profitera pas de toutes ses armes. Je joue full équipage. Du coup, le corsaire se retrouve moins bon qu'avant. Donc nerf massif. Et avec ces deux tourelles latérales, justement, on n'est pas vraiment obligé de mettre le nez sur les ennemis. Mettre le nez sur les ennemis, c'est une grosse cible. Ça, c'est le job des tourelles. Non, justement. Le reste, c'est le job des tourelles. Alors, ça, oui, pour le coup. Mais donc, par rapport à ça, selon la configuration, tu vas soit passer en attaque, soit passer en défense, grosso modo.
Et cette asynchrie-là. Donc il n'y aura pas de tech preview aujourd'hui. Ok, c'est noté. Merci pour l'info, Berserkir. Mes nouveaux builds évocati 3.24.2, c'est noté. Excusez-moi, je mange un petit bon bec en même temps. Donc, selon la situation dans laquelle vous allez vous trouver, le copilote va switcher soit en mode offensif avec la gestion des armes taille 5, soit en mode défensif avec la tourelle dorsale pour protéger. C'est le même siège, hein. Le problème qu'il y a, qu'on soit clair, c'est que la majorité des personnes, alors je dis pas que c'est tout le monde, mais la majorité des personnes qui gueulent par rapport au corsaire, c'est les personnes qui jouent corsaire solo. Et j'étais le premier à dire que le corsaire en soi était totalement débile en termes de puissance de feu. Alors Ankini, tu défends rien avec la double taille 2 sur le toit, trop d'angle mort et pas assez de puissance de feu. Alors, par rapport à ça, alors non, au risque de me répéter. C'est un vaisseau d'exploration. Qu'est-ce que tu pars au combat avec un vaisseau d'exploration? Explique-moi le délire de prendre un vaisseau d'exploration et de l'amener au combat. C'est, je comprends pas en fait ce délire. C'est pas contre toi, Lord Dante, mais c'est juste que ça me fume. Les gens se plaignent de ça par rapport à un vaisseau d'exploration. D'où tu prends un vaisseau d'exploration et tu l'amènes au combat? Là, les gens sont frustrés par rapport au corsaire parce qu'ils veulent, comme je le disais, un putain de vaisseau Jack of all trades qui est capable de tout faire et que CIG a dit « Ben non, il n'est pas fait pour ça, donc on va le modifier pour que vous l'utilisiez tel qu'il est prévu à la base. » Et les gens sont en mode « Ouin, ouin, je suis pas d'accord. » Est-ce que vous m'entendez me plaindre du fait que l'Avenger soit moins efficace en dogfight que le Gladius? Non. Et ça t'assure en manus. Est-ce que vous m'entendez me plaindre que le Terrapin soit une quiche en dogfight? Non. Est-ce que vous m'entendez me plaindre que le Gladius n'a absolument aucune capacité de fret? Non. Ça t'assure The Zix. Le Corsair est un vaisseau d'exploration. Qu'est-ce que vous venez me bassiner avec du combat? C'est-à-dire que, dans une situation de vaisseau d'exploration, si jamais vous êtes attaqué par un vaisseau, déjà ce sera un vaisseau qui sera relativement peu armé normalement, puisque c'est un vaisseau qui aura la même autonomie que vous. Ou alors, c'est que vous n'êtes pas allé assez loin, et que vous êtes dans une zone qui est potentiellement dangereuse, et dans ce cas, avoir un vaisseau de la taille du corsaire sans escorte, c'est votre faute si vous faites attaquer. Et encore, si vous faites attaquer, pourquoi est-ce que vous ferez attaquer? C'est-à-dire que l'exploration sera plus intéressant d'intercepter les données, de pirater les données avec un Hercule, un Hérald, excusez-moi, plutôt que d'aller péter la gueule à un vaisseau. Et de risquer de perdre les données. En vrai. Et ça t'incendie à où? Donc, faut arrêter le délire du « Moi, mon corsaire est plus capable de faire du dogfight, du combat, etc. » C'est pas un vaisseau de combat! Est-ce que je vais me plaindre que la modus de madame est pas capable de rivaliser avec une Formule 1 sur circuit? Non! Normal. Pas fait pour. Leur nom qui dit dans ce cas pourquoi up les conies, ça n'a pas le moindre sens. Les constellations sont des vaisseaux multi-rôles qui sont utilisés notamment par l'armée dans un cadre de support feu. Appuie feu dans une flotte. C'est marqué dans l'or, putain. Zero qui dit madame a une Modus, faut sûrement qu'on en parle de ça. Non, la Renault Modus de madame, voilà. Et voilà. Bref. Le constellation est utilisé dans l'UE comme support feu dans une flotte.
Lord qui dit, je copie-colle, description du Corsair. Corsair est un compagnon valeureux et tu supportes en combat, découverte et livraison. Alors, on va aller chercher le CIG. Même s'il n'est pas à jour, mais on s'en fout. Voilà, c'est du support, comme le dit Berserker. C'est du support. C'est pas un vaisseau de combat brut. Plutster. Nous disions donc. Vaisseau. Alors. Oh, c'est vrai qu'ils ont tout modifié. Exploration. Exploration. Ouais, pas forcément disponible à l'achat. Tiens donc. Oh là là, j'ai sélectionné exploration, je tombe sur un corsaire. Oh là là. Oh, c'est dingue. Franchement, eh, je m'y attendais pas. Franchement, franchement. Thomas qui dit, qu'est-ce qui se passe? Bah, on parle du cas du corsaire. Clique dessus et lis la description, il vient de là mon copier-coller. Non mais je ne remets pas ça en question, Lord Nantes. Mais, enfin, qui vous supporte en combat, dans la découverte, et pour les livraisons. Supporte. C'est quoi le nerf, grosso modo? Donc, salutations, Gilo. En grosso modo, c'est que les deux armes taille 5 inférieures sont gérées par le copilote et non plus par le pilote. Pour le corsaire. Et ça t'assure ma dise. Ça va aller, il vous supporte en combat. Oui, support en combat, c'est un vaisseau de support de combat. Tout comme le Constellation est un vaisseau de support de combat aussi. Il était trop pété sinon. Bah oui, les gens l'utilisaient comme vaisseau de combat. C'est pas un vaisseau de combat, c'est un vaisseau d'exploration. Tiens, on risque de me répéter, hein, mais enfin. Exploration. Et. Oh! Exploration, expédition. Waouh! Je suis surpris. Je suis surpris. Voilà. C'est-à-dire que. Il serait en combat. Bon, oui, là je dis pas. Mais là c'est bizarre, hein. Je regarde tous les vaisseaux de combat disponibles. Je vois pas le corsaire. Je vois pas le corsaire. Et je suis peut-être aveugle, hein, mais je vois pas le corsaire. Ah, peut-être avec un petit contrôle F, je sais pas. Corsair. Non, y a pas, le Corsair est pas dans les vaisseaux de combat. Je sais pas, comprends pas. C'est vrai qu'on a un freelancer de combat, il vaut quoi d'ailleurs? C'est le freelancer Miss. Bah pareil, c'est comme pour le Constellation Andromeda, mais en version plus petite, c'est-à-dire que il est en version support feu missile. Hop, que je vous montre. Il est passé où d'ailleurs? Combat, oui. Misk. Moins pratique quand même. Hein. Voilà, Freelance Service. C'est la plus fun ici, là, pour faire simple. Il est mieux blindé, mais bon, sans plus. Il a beaucoup de missiles, par contre. Du coup, j'ai envie de dire chez à ceux qui sont pas contents, du coup. Désolé, c'est pas gentil. Bah, en fait, le problème, c'est que, comme je le disais, depuis le début, c'est un vaisseau d'exploration. Enfin. Pour moi, c'est aussi débile de se plaindre pas de ça que de dire « Oh là là, c'est LG, mon MSR, il est pas capable de faire de la contrebande du dogfight. » C'est le même délire, quoi. On parle d'un vaisseau de transport et transport de données pour le MSR. Ben là, c'est la même chose. Là, on est sur un vaisseau d'exploration. C'est marqué, quoi, de base.
Pour ça, à chaque fois, par rapport à ça, je vous encourage vraiment à regarder toutes les anciennes rediffusions de mes streams, etc. Quand on parlait d'un vaisseau à acheter, je disais à chaque fois, ne focalisez pas sur les statistiques, focalisez-vous sur le rôle du corsaire. Ça a été toujours l'exploration. C'est-à-dire que je trouve beaucoup moins légitime de actuellement gueuler par rapport au fait que CIG ait retiré le contrôle des deux armes taille 5 pour le pilote, pour le corsaire, que de gueuler par rapport à la réduction de taille des armes pour les tourelles du Redeemer. Pour le Redeemer, pour le coup, je trouve que c'est plus cohérent de gueuler. Donc bon. Et salutations à Sion. Dans le coffre IA qui dit la définition de support de combat sur Wiki, on dit que c'est du support et pas de la première ligne, que du support peut être de la simple communication, ça reste du support de combat. Oui, tout à fait. Grosso modo, c'est la deuxième ligne. Alors oui, Lord Ant, il te soutient en combat, d'accord, mais enfin, c'est pas censé être un vaisseau de combat de base. Le truc, Lord Ant, c'est que tu t'arrêtes sur une petite phrase promotionnelle. C'est le Worthy Companion supporting you in battle discovery delivery. C'est une phrase promotionnelle. Mais si tu regardes la catégorisation, c'est, et ça a toujours été, de l'exploration. Et ose me dire en quoi le fait que le copilote ait le contrôle des deux armes taille 5 t'empêche d'utiliser la puissance de feu du vaisseau pour te défendre. C'est pas comme si on lui avait retiré les armes taille 5. Il y a deux des quatre armes taille 5 qui sont plus utilisables par le pilote. Et en plus de ça, malgré ça, le pilote a toujours deux armes taille 5 et deux armes taille 4 à utiliser. Enfin, c'est pas comme s'il était à poil le corsaire au bout d'un moment. Enfin, bref. Là, pour le coup, les personnes qui chougnent, je suis désolé, mais vous chougnez, c'est bien fait. Et ça t'a sens ou pas? C'est quoi cette histoire? Il y a un rework du corsaire, grosso modo 3.24.2, CIG a décidé de faire en sorte que les deux armes inférieures du corsaire, les deux armes taille 5 inférieures du corsaire, soient contrôlées non plus par le pilote, mais par le copilote uniquement. Et donc tous les wannabe pirates qui voulaient un Jack of all trades, maintenant sont frustrés par rapport à cette modification. L'Orlande qui dit même sans ça, ça ne fait pas le moindre intérêt de gameplay. C'est indéfendable, le nerf en puissance de feu. C'est compréhensible, mais la manière de faire est ridicule. Le truc, c'est que, je le disais tout à l'heure, hein, Lord Dante, le copilote va gérer au choix les deux armes taille 5 ou au choix la tourelle. Selon la situation, tu vas pas utiliser les deux en même temps. Les gens sont les premiers à dire que le copilote qui doit gérer que les armes taille 5, il va se faire chier. Et ils ont raison. Ils ont raison. Tu te fais tracer par un chasseur, tu passes sur la toile dorsale et tu essaies de le défendre. Par contre, tu passes en phase d'attaque, tu switches, tu passes sur les armes offensives. Et encore une fois, bordel, c'est un vaisseau d'exploration. D'où tu parles de combat pour un vaisseau d'exploration? Ça rappelle un débat que j'avais eu avec les gars de ma team, et ça a été sans snorkel, où ils me disaient. Ah franchement, le Starfarer c'est vraiment de la merde. L'intérieur c'est un putain de labyrinthe. T'imagines, tu te fais prendre d'assaut avec des personnes qui débarquent sur ton vaisseau, commencent à faire une tannée pour défendre. Je fais, on parle d'un vaisseau citerne. D'où, à quel moment tu te dis que va y avoir du combat FPS à l'intérieur? C'est-à-dire que si jamais tu te fais aborder, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que toute l'escorte elle est niquée. Donc autant te rendre. Donc tu as pas 30 FPS là-dedans, c'est pas un vaisseau pour du combat FPS. C'est pas un vaisseau de combat de base.
Donc il n'y a pas de raison que tu ailles dans des zones dangereuses. Ou alors, sinon, c'est que tu as une escorte. Et si les gars réussissent à t'aborder, c'est que l'escorte a échoué. Ben, c'est. Ah voilà quoi, c'est pareil. Pardon de Killy, on les dit dans la team, je le très rarement, c'est le fait de nous pondre un corsaire DS que je trouve ridicule. C'est pas ridicule. En vrai, quand t'es en combat, combien de fois tu utilises à la fois les tourelles défensives et à la fois les armes principales pour pouvoir flinguer un adversaire. De façon générale, t'es soit en position défensive, soit en position offensive, mais pas les deux. Pour jouer en solo, il y a les monoplaces, voire les biplaces encore. Même sans parler de jouer en solo. Phil Darion qui dit surtout on ne tire pas à l'intérieur d'une citerne de carburant, surtout quand on est soi-même dans la citerne, c'est pas faux. C'est un qui dit très bonne idée, le combat FPS dans une citerne, une balle mal placée et fin de la partie. On est d'accord. Sorkel qui dit là-dessus, je suis pas forcément d'accord pour le défensif ou offensif. Voilà, juste faire des choix par rapport à ça. Faudra juste faire des choix. C'est aussi simple que ça. C'est. Voilà. Et ça, t'as son prix mal. Alors, qui tout le temps, les missions sont 3v1 pour la plupart, donc ça tient un peu partout. C'est un vaisseau d'exploration! Pourquoi tu pars au combat avec un vaisseau d'exploration? Explique-moi, alors Dante, c'est quoi le délire? Oui, je m'emballe, mais bon, ça me frustre à un point phénoménal, c'est. Pourquoi tu prends un vaisseau d'exploration pour faire une mission de combat? Explique-moi le cheminement qui te dit vaisseau d'exploration égale combat. À quel moment? Je comprends pas en fait. J'ai tellement à la scène de joueur du grenier quand il joue à un jeu X-Men et qu'il teste Tornade et qu'il dit à quel moment il y a un développeur qui voit Tornade et qui se dit quel magnifique dauphin. C'est la même chose. À quel moment tu dis vaisseau d'exploration égale combat? C'est quoi le cheminement? Je veux juste comprendre. Là, sincèrement, je peux pas être ultra grandiloquent, etc. Voilà. Lordant, explique-moi. Sincèrement, je veux comprendre. Là, c'est vraiment sincère. Je veux comprendre. À quel moment tu te dis vaisseau d'exploration égale combat? Je veux comprendre le cheminement de pensée. Je veux vraiment le comprendre. C'est sincère. Je veux le comprendre. Quelqu'un qui dit Derco Exploration 4T5 à l'avant, ouais, bah oui, bah justement, d'où le fait que CIG ait décidé de brider ça pour autoriser l'utilisation de 2T5 et 2T4. Voilà. Parce que les gens l'utilisaient pas de la bonne façon. Donc CIG a décidé de contourner ça, mais sans pour autant le dépouiller. Enfin, c'est. Comme je disais, je veux juste comprendre en fait. Gilo qui dit l'argument de support de combat, c'est marketing si jamais. Oui, c'est ce que je disais. C'est pour ça qu'il faut regarder la classification du vaisseau. Starkel qui dit j'ai toujours pensé que l'étiquette exploration était juste une putain d'excuse pour Drake et vachement bien trouvé en plus. Ouais, mais là non, pour le coup. Et c'est assez stoïque. Il y a des gars qui équipent leurs deux chevaux avec des routes dragster. Oui, enfin, pas pourtant que ça fonctionne aussi bien qu'un dragster. Alcian qui dit, il y a plein de joueurs qui n'ont aucune notion de logistique surtout, qui trouvent le hull super car plus rentable que n'importe quel vaisseau, mais qui ne comprennent pas qu'il faudra une escorte. Complètement. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Alcian. Il y a beaucoup de personnes qui pensent toujours, sans forcément parler de jouer solo sur un vaisseau multicrew, mais qui pensent surtout à jouer sans escorte, à jouer en mono-vaisseau. C'est une grosse erreur. Draco qui dit c'est déjà simplement recadrer l'utilisation du corsaire qui allait pas dans le sens qu'il voulait. Exactement. C'est une bonne chose. D'autres moyens de le faire, bien entendu. Mais au moins, là, comme ça, tu. Vraiment, c'est quelque chose qui est drastique comme modification.
Hop Kili, j'avais une idée. Genre de grappin magnétique pour les motos gravelev pour les remorquer. Qu'on n'aura pas assez de pilotes pour me déplacer si on annule ça avec un seul pilote par exemple. Ou pour aborder un vaisseau en toute subtilité, du duct tape, si c'est un firefight. Pas tout saisi pour le coup, Aube. Parce que techniquement, un grappin gravelev, enfin grappin magnétique, c'est déjà le tractor beam. Tu peux gérer les tracteurs, enfin avec les tracteurs beam, tu peux gérer tout ce qui est moto gravelev par exemple. Nazmikus, le problème c'est que les gens utilisaient le corsaire pour faire du combat parce que le gameplay exploration n'existe pas encore, sinon il serait pas aussi salé. Oui, on est d'accord. Zero qui est à la charge de notre ami Lord Dante, je suppose que les gens ont aussi pris le temps de jouer le corsaire en version viable en fight. Ça recoupe ce que disait Nazmin. Forcément, tu t'y attaches et le nerf, entre guillemets, génère du déceptif. Alors que s'il était sorti comme ça dès le début, il y aurait eu zéro débat. On est d'accord. Ça n'en met pas en cause le fait qu'il revienne un truc équilibré. Hein. C'est juste les dangers d'une alpha où tout bouge et tout est amené à bouger et rien n'est définitif. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, Zir. On soit clair, c'est pour ça d'ailleurs que j'arrête pas d'insister sur le fait que. Focalisez-vous davantage sur le rôle prévu d'un vaisseau plutôt que sur ses statistiques à intenter. Dans quelques lignes qu'on soit clair, je suis full aligné avec la vision multicrew, voire même mettre 2 T5 sur les 4 sur un poste de gunner, mais alors au moins mettre une tourelle. Non, parce que j'ai déjà joué gunner sur un Scorpius, dont la tourelle tirait, mais ne pivotait pas. Ah oui, ça marche, mais le fun. On est d'accord, c'est pour ça que le copilote a également accès à la tourelle dorsale. Dépendant de la situation, grosso modo, tu vas passer soit sur du défensif, soit sur l'offensif. Et c'est à Sori. Sori qui dit, ah, on pourra pas piloter un javelin en solo, c'est honteux. Et vous comprenez maintenant pourquoi, quand je parle du javelin, que je veux vraiment le transformer en hôtel? Parce que déjà, comme je dis, il faut 80 personnes pour le faire tourner, mais en plus de ça, il faut une escorte. Et à chaque fois, je le disais, pour un javelin, compter deux Idriss minimum, une demi-douzaine de Hammerhead et une quarantaine de chasseurs. Et là, vous comprenez très facilement pourquoi c'est très compliqué de sortir un javelin. Parce que là, pour le coup, on est vraiment sur un vaisseau de combat, hein, de javelin. C'est pas quand même corsaire. Kala qui dit, déjà, moi je prends le corsaire pour la mission de chasseur de primes solo et c'est vraiment facile alors que je suis nul. Alors si c'est un vaisseau d'exploration, il doit être nerf. C'est justement le nerf que CIG a apporté à Kala. On est d'accord. Joe qui dit, sortira pas tant qu'il n'y aura pas d'IA donc dans 3 ans minimum. Ah, j'en dis pas le contraire. Lorland qui dit, je vais dire en gros, quelquefois qu'on ne comprenne pas, je m'en fous du nerf. C'est le gameplay qui est complètement naze. Tu ne peux pas viser et bouger les armes. Comme je disais, ça peut se modifier. Ça, c'est pas problématique. Et le fait qu'il n'y a pas le moindre sens dans les derniers choix de CIG, buff des Connie, nerf du Redeemer, qui est le seul vrai vaisseau de combat, c'est ça que je critique. Alors là, pour le coup, je te rejoins là-dessus, Lorland. Je disais tout à l'heure, pour moi, le Redeemer, le nerf qu'il a reçu avec les armes taille 5 qui sont passées en taille 4, je trouve ça débile. Le fait que le copilote va gérer au choix la tourelle défensive, au choix les armes offensives, et encore, bon espoir quand même que CIG augmente un petit peu le bâton par rapport aux armes pour avoir une sorte de simili-tourelle pour le copilote, et en plus la gestion potentielle de l'énergie en temps réel, peut t'assurer que copilote ça va être assez intéressant. Et 7 à 100 maximum. Et ouais, ce qu'elle va de me répéter par rapport aux constellations, le buff du constellation, c'est quelque chose qui est en soi cohérent, puisque c'est un vaisseau qui est utilisé dans les flottes de l'UE, comme Apufum ici là. Et 7 à 100 la mate. Donc bon. Voilà. Mais donc tout ça pour dire que moi ça me fait gentiment sourire. Les personnes qui chouinent par rapport au corsaire, parce qu'en vrai, c'est un vaisseau d'exploration. Voilà. Donc, vaisseau d'exploration, le fait qu'il soit brillant au niveau des armes.
Ça me choque pas plus que ça. Bref. Kayla qui dit le Redeemer passe vraiment en 6 boucliers taille 2. Il semblerait que oui. Il semblerait que oui. Ça, pour le coup, je trouve que pareil, c'est pas tout à fait cohérent. Après, en soi, quand tu regardes le Redeemer, il avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de points de vue sur les boucliers. Il était intombable, c'était casse-couille. Et le truc, c'est que Siadji a l'air de vouloir en plus intégrer tout ce qui est blindage, donc potentiellement que la perte de points de vie, les boucliers, au final, se retrouvera dans le blindage du vaisseau. On verra comment ça va se passer. Land qui dit en soi, c'est même pas un buff sur le constellation, ils sont censés toujours avoir eu les tailles 3 sur la tourelle. Elle a été retirée à cause de clipping. Ok, donc ouais, c'est le rétablissement quoi. Paros qui dit, hier soir j'ai vu un live de Void Crew, très très bon jeu indé, avec une vraie gestion de l'équipage pour assigner les rôles à chacun. Top, et la VEP superbe. T'as découvert franchement Dixie Triplet de Zerter hier soir. Ah, faudra que je regarde. Jello qui est après avec le gameplay de gestion de puissance, réparation des vaisseaux, tu vas pas t'ennuyer en copilote. Complètement. Complètement. Alors donc il est pareil pour les tailles 5 du Constellation, ils avaient été retirés à cause des bugs sur les deux S5 du bas. Oui. En fait le truc c'est que les armes qu'il y avait au niveau des réacteurs inférieurs étaient tellement grosses qu'au final le vaisseau se posait pas sur les trains d'atterrissage, il se posait sur les armes. C'était pas idéal, on va dire. Mais bon. Enfin bref. Tout ceci étant dit, on va brancher le joystick manette des gaz, on va se lancer. On va commencer tranquillou. Relax, tranquillou bilou. On va faire un petit peu de livraison. Peut-être sortir le Cutlass Black, pour le coup. Un vaisseau polyvalent. Je l'avais stuff de mémoire le Cutlass Black, donc. Why not? J'avais foutu le skill en plus de. Du Foundation Festival. Ah, c'est à ça, il fausse. Donc oui, comme je le disais, pour le coup, le corsaire, c'est les. Le nerf, bon, c'est vrai que c'est à dire d'autres manières de faire, bien entendu. Mais dans tous les cas, quel que soit le nerf que CIG aurait fait sur le corsaire, ça aurait chouiné tout autant. Parce que les gens refusent de comprendre que le corsaire est un vaisseau d'exploration. Tout comme les gens refusent de comprendre encore aujourd'hui que le MSR n'est pas un vaisseau de contrebande, de piraterie et de dogfight. Que c'est juste un vaisseau transport et transport de données. C'est un seul cargo. Mais bon, c'est du détail. Hop, on va couper la musique et on va se lancer directement. Ils ont annoncé un reward du Conny? Non, pas vraiment. Juste qu'ils modifient les stats par-ci. Par-ci, par-là. À ce qu'il on ne parle pas aussi que les Conny ne sont pas faits pour le combat. Moteur facilement attaquable, angle indéfendable. Si CIG était honnête, le Conny serait un mauvais vaisseau. Bah, le truc, c'est que, comme je disais, c'est un vaisseau d'appui-feu, missile, dans les flottes de l'UE. Et puis, dans tous les cas, un vaisseau comme ça, si jamais tu transportes des ressources qui ferait que tu pourrais te faire attaquer et que t'as pas d'escorte, et eh ben c'est ton problème, c'est que tu l'as cherché. On parle ici d'un jeu vidéo. Hein. Et voilà quoi. Bah je veux dire, c'est un peu comme si tu trimbales ton iPhone à la main à Barbès. Faut pas s'étonner de se faire braquer son téléphone. C'est pareil. Pardon, excusez-moi, c'est parti un peu fort. Parti tout seul, désolé. Je reviens, je vais faire un petit AFK bio, j'arrive, à de suite. Et ça a été sur
Ça commence bien, dis donc. Un jeu stable, oui, complètement. Hop. Zero qui dit, je suis un grand fan de Nukoni, mais je suis certain, je crains que ce soit plus trop cohérent côté design avec le reste de la marque. On voit clairement un style se dessiner autour du Zeus, Galaxy et compagnie, qui sont tous construits autour d'un triangle très sympa. Mais le Koni fait presque bizarre dans la marque, je trouve, aujourd'hui. Mais il est aussi plutôt unique en look. En fait, c'est quelque chose qui est vrai entre les vaisseaux, les anciens vaisseaux et les nouveaux vaisseaux. En soi, quand tu regardes, même au sein des marques actuelles, tu vas avoir des marques de voitures actuelles, je veux dire. Tu vas avoir des évolutions au niveau du code graphique de la marque. C'est-à-dire que tu regardes aujourd'hui une Peugeot 3008, tu la compares à la 205. Voilà. Et pareil, l'Avenger, en effet, tu regardes par rapport à Aegis, l'Avenger, comparé aux vaisseaux Aegis qui sont plus récents, il fait tache, mais ça s'explique par le fait que c'est un vaisseau qui a 200 piges, quoi. Bon. C'est normal que le style graphique d'une marque évolue. Alors qui après, j'ai toujours dit que les vaisseaux avec 90% de puissance de feu sur le pilote et multi-crew, c'était très con. On est d'accord. On est totalement d'accord. C'est pour ça que je trouve que par exemple la Murred est plutôt cohérent par rapport à ça. Sinon, la solution c'est le Constellation MK2, comme ça plus d'incohérence visuelle. Ouais, et puis tant qu'à faire, autant sortir un Corsair MK2 avec toutes les armes gérées par le pilote, et les gens sont contents comme ça. Oh wait. Excusez-moi. Oh, faut pas que je sois taquin comme ça. Pas bien. Hop. On va commencer par boire un coup. Zero qui disait que ce serait même pas con de petit à petit avoir les versions MK2 juste pour le visuel slash agencement. Pas les stats dans le lore, ça fait on modernise notre modèle phare, ça marche bien. Oui, faire une phase 2 quoi. Et cette essence là-bas. En soi, c'est pas déconnant. Mais le problème, c'est que évidemment, les gens ne veulent pas juste une upgrade graphique pour un vaisseau. Ils veulent des stats en plus, toujours plus de puissance. Et CIG fait du power creep en boucle à chaque fois par rapport à ça. T'as appuyé sur le bouton, monsieur? Thomas qui dit, moi je vois un 600i en noir et or, je me plains pas, voilà. Alors, en même temps, qui veut un 600i, Thomas, de base? C'est moche de base le 600i. Pourri. En l'état, vu que là, on a terminé donc la Pirate Week, donc il n'y a plus. Je me fais pousser par le mec. Il n'y a plus donc le Blockade Runner. Et donc on va pouvoir faire du cargo sans trop de soucis. Et les gens ils ont un comportement très bizarre quand même.
Très, très bizarre. Pascaline, il n'est pas question à l'avenir de pouvoir récupérer des PNJ pour les tourelles et même plus tard les remplacer par des cartes électroniques qui permettraient de faire tirer tous les canons vers l'avant. Alors oui, mais non. Donc, il y aura possibilité en effet de recruter des PNJ. Quant à savoir quelle est la limitation du nombre de PNJ qu'on pourra recruter, bonne question. Je sais pas du tout combien est-ce qu'on pourra recruter de PNJ par joueur. En vrai, j'aurais déjà discuté avec plusieurs créateurs de contenu et il y a un consensus pour dire que 2, maximum 3 PNJ par joueur, ce serait un bon numéro. En soi. Pour ce qui est des Blades, donc les fameuses cartes mères que tu vas mettre pour pouvoir gérer les tourelles, c'est toujours d'actualité, c'est toujours d'actualité par rapport à ça, mais je rappelle que ça va dépendre des avioniques. Les avioniques, grosso modo, c'est un composant que vous avez sur votre vaisseau. Si vous regardez sur les vaisseaux qui sont avec les composants qui sont physicalisés, vous avez un compartiment avionique. Et il y aura une capacité maximale en fait pour pouvoir automatiser, on va dire, les tourelles. Mais, et c'est un détail que beaucoup de personnes oublient complètement, c'est que CIG a expliqué plus d'une fois que dans l'ordre d'efficacité, ce serait en premier lieu joueur, en deuxième IA, PNJ, et en dernier les fameuses lames, les fameuses blades, les fameuses cartes mères. Donc, voilà. Rêvez pas trop par rapport à tout ça. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has. Il y a un truc qui dit si les PNJ sont aussi efficaces qu'actuellement, ça serait drôle. Ah bah techniquement aujourd'hui les PNJ sont excessivement efficaces, c'est les serveurs qui hybrident les PNJ. Mais je peux t'assurer qu'aujourd'hui t'es sur un serveur à 30 FPS, les PNJ tu les affrontes pas. Hein. Alors ce qui dit dommage que pour ceux qui veulent jouer solo, tant mieux pour l'équipe de l'univers. Alors, si tu veux jouer solo, tu prends un vaisseau solo. Et là t'auras pas de soucis. Voilà, donc ça c'est la communication CIG que l'ordant a copié-collé. Grosso modo, CIG explique que il n'y aura pas possibilité de faire en sorte que toutes les tourelles soient utilisables par les blades. À ceux qui disent, ça a été dit plein de fois dans le lore que l'IA a été réduite au maximum dans l'histoire à cause d'accidents nombreux et fâcheux. Ouais, notamment c'est l'Artemis, si j'ai pas de bêtises. Le vaisseau colon qui a été perdu et qui visiblement a été perdu à cause d'une IA. Ça fait partie des nombreux incidents tels que la terraformation de Mars qui a foiré aussi, ou le choix. Et donc, c'est intéressant du LIF. Et c'est intéressant, Argonauts. Il est en train de sourire. En fait, le problème que j'ai majoritairement par rapport aux, excusez-moi du terme, mais aux chouineuses, de façon générale sur Star Citizen, c'est que le profil est quasi systématiquement le même. C'est des personnes qui sont pas encadrées. C'est-à-dire que je suis le premier à dire, il n'y a pas de question con, la seule question con, celle qu'on ne te pose pas. Mais là, quand c'est pas que tu poses une question, c'est que tu. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Tu chougnes en affirmant quelque chose qui est totalement faux, là ça pose problème.
Un grand autre qui dit, entre ce que CIG dit et ce que CIG fait, et que 2-3 pleurs sur Spectrum, et CIG va tout changer. Malheureusement, je peux pas te donner tort. Malheureusement, je ne peux pas te donner tort là-dessus. Voilà, qui donc CIG pense que nous aurons un joueur dispo H24 dès que nous aurons envie de notre vaisseau. À voir comment ça va se passer. Mais j'espère que s'il faut d'autres joueurs que les PNJ et Blade pour remplir un minimum de fonctionnement. Nous avons une vie et un taf pour certains d'entre nous aussi en dehors de Star Citizen. Oui, mais c'était pas sûr de pouvoir jouer à plusieurs potes. Tu sors un vaisseau solo. Je comprends pas pourquoi il y a un problème par rapport à ça. Lord qui dit, moi je pense que tu peux jouer, hein. Tu peux jouer solo dans le futur avec les Blade IA, mais ce sera moins efficace qu'un vaisseau full joueur, complètement. Par contre, je reste persuadé que si ça reste dans l'état de ce que dit CIG sur la MPC, les Blade, un Hammerhead full humain versus 7 Hammerhead solo et IA, les seconds écraseront le premier. Ouais, le problème c'est que. On pourra pas. Enfin, c'est normal en soi. Tu fais plus de nombre. Mais le truc, c'est que je pense pas qu'un humain puisse gérer 7 autres personnes pour remplir un Hammerhead. Et surtout, je rappelle que les Blade ne fonctionneront pas sur la Hammerhead. Pourquoi? Parce que les Blade fonctionnent sur les tourelles remote. Le Hammerhead, c'est du man-turette. Je rappelle. Ça aussi, il y en a plein qui vont tomber les nues hein, quand ils vont réaliser ça. Delta Arms. Antrak. Et 700 micrométriques. Ah, je n'ai pas suivi cette histoire de Corsair vu que je suis en vacances à cette ville où il fait 32 degrés. Et on se gave de tapas, chanceux. Hein. J'avoue que l'histoire du Corsair m'intéresse, même si j'ai envie de vous partager mes vacances. Grosso modo, les deux armes taille 5 inférieures du Corsair ne sont plus gérables par le pilote, c'est gérable par uniquement le copilote. Parlons qui, dans le Q&A, ils disent bien que l'IA pourrait gérer 4 tourelles. Oui, mais pas des manturettes. Pas des tourelles contrôlées par un humain, de base. Des étoiles, remote uniquement. Kazaki dit les gens veulent pas jouer solo parce qu'ils ont claqué X euros dans un vaisseau et comprennent pas qu'on leur dise non, tu peux l'utiliser ton vaisseau, que tu as pledge X euros pour soutenir le projet, et que le vaisseau est juste une récompense parce que tu as donné X euros. Par rapport à ça, le truc c'est. Grosso modo, là-dessus, casé, c'est les gens juste ne veulent pas comprendre que un vaisseau multicrew, faut être multicrew pour le gérer. Alors, qui ici, c'est le Q&A qui parle du MRL, même dans le Q&A du MRL en fait. Le fait que les tourelles, même manuelles, peuvent être gérées par une blade, ça me choque, ça, pour le coup, ça me surprend. Allez, on va voir, mission de livraison. Non, c'est pas livraison qu'il me faut. Cargo. Ah, Galot qui dit, je sens que ça va tellement pleurer que dans le futur, un joueur solo pourra gérer un javelin tout seul. Ça, malheureusement, j'espère que l'avenir te donnera tort, mais pas dit. HURL1, HURL4. Portrait Hitler. There is a fun's way. Beijing Point, Seraphim Station, on va éviter. Ah, c'est un climat, j'attends de voir la prise de science du carburant et de l'armement de ces vaisseaux gigantesques. Aussi. Ça prend en considération.
Nickel 2 vers Benji Points. Heroes of Fansway. Allez, une trentaine de SCU à transporter. Benzé qui dit du coup, penses-tu qu'on pourra trouver in-game des tableaux d'offres d'emploi afin que les joueurs. Afin les joueurs pour les équipages, le temps de mission et plus l'affinité. Oui, oui, je pense. Pas sincèrement. D'ailleurs, au cas où t'as pas de potes avec qui jouer, tu peux très bien passer une petite annonce pour recruter quelqu'un. La cométique qu'il y a après le réajustement du Redeemer, ça semble logique que le Corsair y passe aussi. Remarquerai que j'utilise sciemment le terme réajusté et pas nerf. Bonne utilisation. Alors si on s'en forçant, on parlait de balises. Je pense qu'il y aura un tableau des offres comme les Trade Center. TDD, potentiellement, c'est là que tu vas aller pour voir si tu peux trouver un petit boulot ou pas. Parce qu'il sera plus facile de recruter chez les serveurs à plus de 100 joueurs, il y aura Spectrum in-game aussi, c'est vrai. Mais techniquement, les serveurs seront toujours à 100 joueurs, phrase, c'est juste qu'il y aura plus de serveurs par shard. Surtout ça. Panzu qui dit ils ont nerf le Corsair pour vendre un nouveau vaisseau équivalent à la CitizenCon. T'en sais rien. Et si tu le sais, c'est-à-dire que c'est du leak, donc on n'en parle pas. C'est une exploration V2. C'est pas cohérent de dire ça par rapport au Corsair. Pour une simple raison, c'est que c'est pas le seul vaisseau qui a été retravaillé et dont les stats ont été grandement modifiés. Voilà du Redeemer tout à l'heure. Voilà. Il aurait teasé non? Non, pas forcément. Je rappelle que sur ce genre d'event, il y a toujours un vaisseau qui est dévoilé fly ready et un vaisseau qui est dévoilé en concept. Sans tease préalable. La comédie qui dit du coup le pilote du Corsair, il peut utiliser quelle force de frappe en solo dans son fer à passer? De taille 5, de taille 4. Ce qui est déjà respectable en soi. Et les gens sont pas satisfaits. Bon alors livraison sur appareil, j'espère que les j'espère vraiment que les ascenseurs sur appareil vont fonctionner, sinon ça va être l'angoisse pour livraison. La Val qui dit ce qui est vachement mieux que les deux télés du MSR. C'est pas la T3 plutôt le MSR? Il me semble que c'est la T3 hein, le MSR. Oui, taille 3, oui, c'est ça. Super qui dit, j'avoue qu'actuellement, tu peux faire une mission de Vaughn en élite et en solo et taper tout seul dans ton Corsair. Dans ton Corsair, un Merhead suivi de deux constellations, donc oui, il a un peu trop pété ce vaisseau. Et surtout que je rappelle, encore une fois, hein, on parle d'un vaisseau d'exploration. Ouais,
en effet un peu pété le bestion. Tout va bien. Je vous rassure, tout va bien, c'est maîtrisé. Quoi. La flemme. Vu qu'ils ont modifié Willpower on. Ici. Nickel. Ils ont modifié le tracteur beam. Je sais pas l'ongle. Ah, j'ai envie de crever! Bah, je le vis bien, je vous rassure, je le vis bien. Pas m'énerver. Pas d'emplacement fantôme d'empilement du cargo? Si, des fois en fait, t'as. Le jeu te montre pas forcément où est-ce que tu peux placer le cargo en fait. Des fois ça bug l'affichage. Par contre, je reste d'avis que le plus gros problème de CIG. Hop. C'est que CIG pose des trucs sur la table, puis ne communique plus du tout dessus. Ça met une source d'ennui, ce comportement. Bah, c'est, on en parlait hier. Hein. On a parlé hier le fait que ils sont en mode non mais t'inquiète bro j'ai un plan. Ok mais alors c'est quoi ce plan? Ah t'inquiète, j'ai un plan. Ils nous font le coup à chaque fois. Ouais, je peux pas placer au-dessus. Par là-dessus. La carrière qui dit l'arrivée d'un con semble si loin. Bah le truc c'est que fallait relativiser par rapport à la Citizen Con. Moi-même j'avais dit à la Citizen 23 si on a ne serait-ce que la moitié que ce qu'ils nous ont présenté à la Citizen 23 avant 2024, en fin 2024, c'est déjà pas mal. D'ailleurs au passage, je sais qu'il y a beaucoup de débats par rapport à cet élément de langage utilisé par CIG. Beaucoup de personnes disaient « Oui, machin, ça va arriver dans les 12 prochains mois. Tout ce qui a été présenté à la CitizenCon. » Non, non, non. Sous-entendu qu'à la CitizenCon, on va avoir la 4.0. Enfin, à la CitizenCon 24, on va avoir la 4.0 sur le serveur live. Et tout ce que CIG a présenté. Non. J'ai re-regardé un extrait parce que j'ai une discussion qui était vachement intéressante en commentaire sous ma vidéo de la semaine dernière avec un viewer. Il m'a repartagé donc un extrait. Et CIG, Chris Roberts himself, dit qu'on vous a présenté là durant ces derniers jours va être intégré durant l'année 2024 Q1, Q2, Q3 jusqu'à Q4 2024. Donc c'était pas jusqu'à la Citizen Con 24, c'était vraiment jusqu'à fin 2024. Hein, là. Très bien. Alors on qu'il est même jusqu'à fin 2024, j'ai des loots. Ah non, coulant complètement, ils seront pas capables d'intégrer la totalité des features qu'ils ont présentées d'ici décembre. La 4.0 au moins, oui. Ah, c'est à son Manu.
C'est sûr, le monde va chialer, ouais. Sachant que en plus, par rapport à ça, ce que je viens de dire sur le déploiement des features jusqu'à la fin 2024, Chris Roberts l'a dit lui-même, c'est pas une promesse, c'est un objectif qui s'était fixé. Voilà. Si les gens ne comprennent juste pas, j'allais dire le français, en l'occurrence c'était l'anglais, mais comprennent juste pas ce qu'on leur dit clairement, c'est qu'il y a un souci quelque part. Manu qui dit qu'il chiale, ça changera rien, les devs font leur mieux. Tout à fait. Ah, c'est vrai que ça fait des années qu'il n'y a pas eu de communication, dans le sens où ce sont les devs qui dev des trucs cool. Personne leur dit de ne pas montrer ça, car c'est pas prévu en jeu, les environnements destructibles, les boucliers déployables, etc. Bah, environnement destructible, si, c'est prévu en jeu. Là, pour le coup, j'avoue, je saisis pas forcément la critique. Il y a raison que les gens entendent surtout ce qu'ils veulent entendre. Malheureusement, c'est vrai. Pour faire le cas du corsaire. Manu qui dit la 4.0 c'est un objectif et honnêtement ils n'en seront pas loin fin 2024. Je pense sincèrement que c'est Edgy qui va nous faire le coup de balancer la 4.0 sur le serveur live juste avant de partir en vacances et ce quel que soit l'état de la 4.0 sur le serveur live. En mode ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas, on réparera ça en rentrant de vacances. On va faire la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur le sujet. Ça me choquerait vraiment pas qu'on ait ce pattern là qui se répète encore une fois. Alors dans le cas, je pense pas que le souci soit les devs, mais plutôt la gestion globale, c'est d'ailleurs ce qui revient depuis le début. Oui, mais ça a été changé ça pour le coup. Lordant. C'est-à-dire que Chris Roberts a pris énormément de recul par rapport à Star Citizen, et quand tu regardes, il apparaît plus du tout en vidéo, exception faite de la CitizenCon, quoi. Alors 3.18, je rappelle, leur dent, c'est arrivé Q1 2022. Hein. C'était en mars, hein. Donc c'était... Voilà. Ah, moi je pense plutôt à la 3.9 plutôt. 3.9, 3.14. Non, 3.14, non, elle était pas. Elle était pas si mauvaise. C'est quoi, c'est la 3.12? Je sais plus. Quand je vois la complexité de gérer 150 personnes, j'ai même pas 500 ou 700 devs. Ah mais complètement Manu. Mais ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que parce que t'as l'argent directement, c'est simple. Et non. Et non. On peut demander à Sony avec Concorde. Hein. On va voir si c'est simple. Par contre, j'ai une migraine des familles qui est en train de se pointer. J'avais déjà un début de migraine avant de lancer le stream. Je vais quand même lancer le stream. Je voulais parler impérativement donc du corsaire. Et je pense qu'on va terminer le stream plus tôt que prévu. Parce que là, j'ai le crâne qui va exploser. Bon, je vais essayer de pousser jusqu'à 20h, voir si ça se calme un petit peu ou pas. Et si à 20h c'est pas passé, je pense que je couperai le stream en avance. Hop, on va se poser. Landing gear down.
Un atterrissage artistique. Alors Land qui dit boit du haut d'hydratation, chose truc, bah le problème c'est que j'ai plus de lit. J'attends ma commande. J'ai passé commande que vendredi dernier. Pour mon rad hier. Alors Land qui dit donc par rapport à Concorde, si j'ai bien compris, le studio c'était ferme là et boss, sinon dehors ceci explique cela. Il y avait de la toxicité positive dans pour Concorde. Alors pour le coup, la Karazu, c'était commandé jeudi dernier. En soi, c'est normal que tu aies pas encore reçu. Généralement, ça prend une semaine. Qu'est-ce que putain de quoi? Il y en a une que je peux pas soulever. What? Nasbin qui dit une présentation d'avant-poste alien possible pour Citizen Con où je rêve trop. C'est vrai que ça pourrait être cool qu'on ait des présentations de... Pas forcément d'avant-poste, mais genre de ruines extraterrestres. Un petit peu la manière de ce qu'on avait par rapport au... C'est quoi, c'est le Defender sur lequel il y avait une vidéo de présentation où la personne retrouvait le vaisseau dans un dans les ruines aliens. Là j'ai eu du Cyan, non? Je sais plus. Ah et là ça fonctionne, ok. Alcyon qui dit de la toxicité positive, c'est comme un crunch détendu, grosso modo, c'est... T'as pas le droit de donner de critique. Si tu donnes une critique sur, sur le jeu, ça veut dire que tu ne crois pas en le projet, donc tu n'as pas ta place dans le studio. C'était ça, grosso modo. Toxicité positive. En gros, tu peux pas dire, mais enfin, mais c'est... Ça marchera jamais, c'est de la merde. On va dire. Ah mais c'est trop bien hein. C'est trop bien mais c'est trop bien. On continue comme ça. Et donc ça donnait Concorde. Nasbin qui en soi rien ne bloque l'implémentation de PNJ de race alien. Bah en soi, il y a de très grandes chances que CIG a déjà terminé tout ce qui est squelette, animation, etc. de des Vendoules. Pour les Chian et les Banous, je suis pas sûr. Mais pour les Vendoules, c'est vrai que techniquement, rien ne les empêcherait. Je pense qu'ils vont attendre la Stratus Squadron pour ça. Mais rien ne les empêcherait d'intégrer les Vendoules dans le PU. Allez, 7 à 5 stéro. Bien aligné. Bah mine de rien, c'est quand même plus pratique avec un Cutlass qu'avec un Avenger Titan. Hein. Plus de place. Ah, une trentaine de CE à transporter, ça se passe plutôt bien. C'est avec un MSR? Non, jamais de la vie. Le MSR, non. Non, non. Je passe mon tour. Ça aurait été pratique si tu t'étais posé plus près aussi. C'est vrai, il est vrai.
La trêve si après Vandoul, faut que ce soit cohérent avec la star map et la localisation. Je sais pas où sont les Vandoul par rapport à Stanton. Après, en soi, par rapport à ça, la Redcraft, à l'époque de la 2.6, je rappelle qu'on avait eu une incursion Vandoul dans une mission. Mission de la CCPRA 849 d'ailleurs, au passage. Avec la petite Tessa Bannister. Qui se rappelle de Tessa? Qu'est-ce qu'elle était cool, Tessa. Sur la dernière mission justement de Tessa Bannister, il y avait les Vandoul. Donc. Petite incursion Vandoul en mode. Des gars qui ont réussi à passer entre les mailles du filet, en soi. Pourquoi pas? Le problème de téléportation du PNJ, enfin du personnage dans le siège, mais tout va bien. Donc, mission validée. Tout va bien. Contrat, donc nous disions. Enfin, cargo. Ça, les ascenseurs cargo ont l'air de. Cargo d'avant-poste ont l'air de fonctionner. J'ai eu de la chance. En vrai, j'ai eu de la chance. Très souvent, ils fonctionnent pas. De Arcanum vers Badgini Point et Seraphim Station. Le problème, c'est que j'ai pas assez de cargo pour pouvoir tout faire. C'est le souci. Faut que je fasse en deux fois, mais. C'est un film station à BJ Point sans SCU. Ouais. Berman HMS Anne. Ouais. Petite trentaine de SCU. J'aurais bien un truc, genre une cinquantaine de SCU à transporter. Port Wrestler vers Ressa Arbor. Ressa Arbor vers Sakura Sun et Farnsway. Ressa Arbor vers HRL 3. Colin vers Serfim Station x2. Allez, on va faire un petit détour à Pyro. Juste pour le plaisir. En prévision de la CitizenCon. OM1. OM2, donc ça je chope le sud. Ok. Ça m'arrange aussi. On a que 8 SCU à récupérer. En plus, c'est 8 caisses de 1 SCU normalement. Alors je trouve qu'il consomme quand même pas mal d'hydrogène là le Cutlass Black. Bon, faut dire aussi j'utilise quand même beaucoup l'afterburner. Mais bon, là n'est pas la question.
landing gear down. Ok. On va se poser en travers. Comme ça, je pourrais le gérer avec le tracteur, j'espère. Allez, 7 à 100 fools. Ah, j'ai l'angle. J'ai l'impression que c'est une seule caisse de 8 SCU. En vrai, c'est ça, ça me dérange pas. Hein. Non, c'est deux caisses de 4. Ok. Ah bon, deux caisses de 4, je vais pas m'amuser à prendre le rétracteur du vaisseau. Ça va. On va le centrer, hein, et ça va être tranquille. Dis-moi qu'il corrige ce bug sonore. Et cet ascendant Valvador, est-ce qu'il fonctionne le tracteur du Cutlass? Chez moi, pour rien de le faire fonctionner. Oui, il fonctionne. Tu démarres le... Tu mets Power On ici, et puis tu rentres dans la tourelle. Ça fonctionne. Et de rien, Valvador. De rien. Pas oublier de rester en SCM aussi au passage. Si t'es en off mode, ça marchera pas. Si je mets le, si je lève l'unité en deux vitesses, en effet, je vais peut-être pouvoir les coller. Il est vrai. Et donc, direction Pyro. Let's go. Il m'a pas fait la route. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas fait la route? J'en sais foutrement rien. Là c'est bon, il me l'a fait. Déchargement de Hearthstone qui a un petit peu de temps là. Et c'était ce marocon. Ok. Bon. Là, la livraison va être relativement rapide. Je pensais que ça allait être 4 caisses de... Enfin, 8 caisses de 1, mais en fait non, c'est 2 caisses de 4. Valvador qui dit est-ce que le power on que tu fais est nécessaire pour avoir l'arrière tracteur? Oui. Sinon ça a l'air que t'alimentes pas la... tout ce qui est gestion du module secondaire. Et salutations Pyrus.
Je pensais que le power on c'était le power du pilote. Non, c'est deux choses différentes. C'est le power on de la station copilote. Notamment, c'est ça qui va permettre en copilote de gérer la gestion de l'énergie, la répartition de l'énergie par exemple dans le vaisseau. Qui va être partiellement vrai en 3.24.2, voire en 4.0. Le valeur qui dit ok, donc ça explique pourquoi ça fonctionne pas chez moi. Bah de rien. De rien. Il y a aussi le même cas pour ce qui est du C1 par exemple, C1 que j'ai pas mal utilisé sur le PTU, pour le mission de cargo. Pareil, t'as le power on qui est présent sur le tableau de bord, mais la partie centrale du tableau de bord entre les deux sièges. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas qu'il faut activer le power on sur le copilote pour pouvoir gérer ça. Pour ça, le Cutlass, c'est un bestiau qui en soi se gère bien en solo, mais qui se gère mieux à deux joueurs. On n'a pas le bouton pour entrer en mode remote tracteur. Grosso modo, quand tu es sur le siège, devant toi, donc tu as un écran. Donc c'est le siège de copilote pour le Cutlass Black. Devant toi, tu as un écran. La partie à droite permet d'allumer en fait, les boutons qui sont à droite de l'écran permettent d'allumer le siège copilote, le poste de copilote. Et les boutons à gauche permettent de passer sur le mode entrée dans la tourelle. Donc comme ça, moi, ça te permet d'activer le truc. Peut-être que le bouton n'apparaît pas si tu appuies pas sur le power on. C'est pas impossible en effet. Pas impossible. Pyroskin, j'ai mal compris où l'énergie du Cutlass est effectivement gérée par le copilote. Bah pour l'instant en fait c'est très synthétique, mais 3.24.2 normalement ça va être un peu plus poussé. Et en particulier avec la 4.0. Avec tout ce qui est nouveau HUD, etc. Bah, c'est surtout le gameplay ingénieur qui va grandement changer la balance par rapport à la gestion de l'énergie dans un vaisseau. Et ça c'est la 4.0 ça. Et c'était sans Fralex. Tu peux aussi être amené à faire un clic droit sur le bouton Deploy Tractor Beam pour accéder à Use Tractor Beam. C'est vrai, c'est le cas par exemple pour ce qui est du C1. Il est vrai, Fralex. C'est vrai que pour le C1, tu as le même bouton qui permet de déployer le Tractor Beam et le deuxième qui va le rentrer dans le Tractor Beam, en effet. Et quand tu maintiens appuyé sur F et que tu fais clic droit, ça te crée la roue d'action et là tu peux choisir l'action à prendre. J'avais zappé. Bonne réflexion. Regardez-moi ça, cette nébuleuse qui vous nargue. Et ça t'assemble Big Pack. La nébuleuse qui nous nargue en mode bientôt vous aurez Pyro. Bientôt. Quand ? Bonne idée, bonne question, mais bientôt. Ah, c'est magnifique. Soon TM, c'est ça. Depuis 5 ans. Techniquement oui. Depuis la présentation de la sitcom 2019. Il est vrai. Avec le Karak qui passait le trou de verre. Il est vrai. Bah, le valeur qui j'en peux plus des gens qui se plaignent sur Reddit de Star Citizen. Pour ça que Reddit, Spectrum, etc. Valvador de mon côté, je n'y vais pas. C'est pour moi c'est l'équivalent de Twitter sur pour SC en fait. Faut garder en tête, quelle que soit votre ancienneté dans le projet, c'est pas votre boulot d'essayer de convaincre les gens qu'ils ont tort de penser ce qu'ils pensent sur Star Citizen. C'est assez agile de les convaincre. Vous, votre simple boulot, c'est de profiter de l'alpha, de remonter les bugs, et de faire avec.
Je veux dire, c'est même pas au créateur de contenu en fait d'essayer de convaincre les gens. En ce moment, ils sont à fond sur les nerfs du Corsair. Ouais, alors que c'est un vaisseau d'exploration. C'est ça qui me fait marrer. Alors, je concède volontiers aux personnes qui disent que Siadur aurait pu nerfer le Corsair différemment. Mais on parle d'un vaisseau d'exploration. Manu qui dit sur Twitter, c'est rien, c'est moins toxique que sur Spectrum, c'est fou. Parce que Manu, tout comme moi, je présume que sur Twitter, tu ne suis que certaines personnes et tu en as dégagé beaucoup d'autres. Et résultat, t'as la bulle d'algorithme qui ne propose que des contenus qui sont susceptibles de te plaire. Alors que sur Reddit, t'as pas cette bulle-là et donc t'es exposé à toute la toxicité des personnes. Et je peux t'assurer que si tu voyais tout ce qui se passe sur Twitter, je pense que ce serait au moins aussi toxique que sur Reddit, voire plus. Et là qui dit Twitter c'est chiant aussi, il y a que des messages négatifs en avant dans l'accueil. Ah c'est pour ça, moi j'ai pris l'habitude, hein, c'est dès que je vois un message négatif ou un sujet négatif, je fais ne plus me recommander ça. Aussi simple que ça. Manu qui dit je cherche aussi par mots-clés, donc ça va, je casse la bulle. Eh ben c'est pas de casser la bulle, peut-être, mais... On va dire qu'il y a quand même plus de modération sur Twitter que sur Reddit. Hein. Pierre Oski dit tous mes potes qui ont pris Star Sun, je les ai découragés de passer à la caisse avant d'acheter, ça a pu en décourager. Mais ceux qui ont persisté l'adorent même en l'état. Bah parce que ça, t'as fait la prévention qui était bonne. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement prennent Star Citizen sans même se renseigner sur l'état du jeu. En ne comprenant pas que c'est encore une alpha, ils ne savent même pas ce qu'est une alpha. Et donc ils sont déçus en lançant Star Citizen. Si tu les as prévenus en disant faites gaffe, c'est une alpha, il y a des bugs, il y a des crashs, il y a encore pour pas mal d'années de développement. T'as joué carte sur table avec eux. Manu qui dit même je trouve YouTube hyper toxique dans les commentaires. J'ai envie de dire que ça va dépendre de du créateur de contenu en question. Je regarde par exemple sur ma dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale. Hein. Même sur ma chaîne replay au final. Mais qui est sortie donc la semaine dernière. Je crois que le seul commentaire négatif c'est par rapport à ce qu'on peut attendre de la CitizenCon cette année, il y a une personne qui a répondu bah, des bugs et des promesses non tenues. Et en vrai, enfin, la réponse que je vais donner, c'est une réponse qui est tout à fait transparente, c'est possible. Je peux pas lui donner tort en soi. Mais voilà, c'est. On en est à ce niveau de toxicité là, c'est pas toxique quoi, justement, au contraire, c'est. Ouais, négatif, mais sans pourtant toxique. Après, sûr que si tu vas sur des chaînes, genre, je sais pas moi, la tronche en biais, bien sûr que les commentaires sont toxiques. T'as joué qui dit YouTube. YouTube, tu prends le sujet Ukraine, t'as toujours les 300 mêmes necks pro-russes français. Une fois que t'as remarqué ça, tu vois que ça. Je sais pas, je ne parle pas d'actualité hors jeu vidéo, moi, sur ma chaîne, donc à partir de là... Manu qui dit, ouais, moi je ne parle que de sujets autour de Star Citizen. Bah, là encore, ça dépend complètement du créateur de contenu, en soi. Les autres sujets Twitter, je les regarde pas. Et tu fais bien. Tu fais bien. Moi, de temps en temps, je jette un œil à tout ce qui est actu Twitter France, juste pour avoir un indicateur de ce que je devrais rechercher pour me tenir informé sur Google.
Et 7 à 100 ma bourse. Valvador qui dit, tu sais à quoi vont ressembler les nouveaux écrans du Cutlass. Je sais pas si ça avait été teasé dans le l'ISC sur le MFD. Dessus on a vu le cutter, donc à mon avis ça arriverait dans le même genre. Mais est-ce que ça sera vraiment semblable au cutter ou plus proche de ce qu'on a actuellement dans le Cutlass? Bonne question. La bourse qui décolle dans le Cutlass, j'ai pas l'habitude. Plus pratique pour la livraison de cargo que l'Avenger Titan. On a eu des écrans, mais pas celui du Cutlass. Pour vrai qu'on avait vu celui du cutter. Le Cutlass, je sais pas. Ça va être la surprise, au pire. Macrobétique, il dit, on peut voir le changement du Corsair sur Hercule. Non, parce que pour l'instant, c'est Evocati. C'est la 3.24.2 Evocati. Alors, je rappelle que CIG communique sur les patch notes Evocati. C'est d'ailleurs comme ça qu'on sait qu'il y a eu un switch par rapport au Corsair. Donc le fait que les deux armes taille 5 qui a sous le nez sont gérées par le copilote. Mais à part ça, pas plus d'informations. Mais oui, Corsair, de toute façon, c'est vraiment le sujet chaud en ce moment sur SC. Aujourd'hui. Puis dans une semaine, on en parlera même plus, quoi. Puis ça reviendra quand la 3.24.2 passera live, etc. etc. Balvador qui dit, quand penses-tu qu'elle arrive la 3.24.2 bonne question. Parce que là, pour l'instant, il n'y a encore que les EOKT qui ont accès dessus. Je pense, au vu du planning, que CIG va pas se faire chier et faire un PTU public très rapidement après la fin du build EOKT. Dépendant de la qualité des bulles Evocati, ça peut être très tôt, genre cette semaine, fin de cette semaine ou deux semaines prochaines. Dans tous les cas, il y a une limitation implicite, c'est la CitizenCon. Donc bon. Ils ont dit que c'est le code de la 4.0. Ils ont pas dit que c'est le code de la 4.0, ils ont dit que c'était une branche de la 4.0 au final, 3.24.2. Ce qui laisse sous-entendre en effet que CIG profite de cette 3.24.2 pour préparer le terrain pour potentiellement un PTU vague 1 4.0 à l'occasion des CitizenCon. Voilà. Zilo qui dit jamais compris c'est quoi les Evocati. Les Evocati c'est un groupe de joueurs qui a été sélectionné par CIG pour leur remontée de bugs, genre de choses. Qui vont tester une version en avance mais sous clause de non-divulgation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de montrer d'images, de prendre de vidéos, etc. et ou de les poster. Et passé un temps, ils n'avaient même pas le droit de discuter publiquement de ce qui était présent sur les bulles d'Evocati. CIG a un peu allégé ça avec notamment le fait de pouvoir discuter des patch notes d'Evocati de façon publique, puisque eux-mêmes publient ça. Mais il y a toujours cette NDA, cette clause de non-divulgation pour tout ce qui est visuel lié à la version qu'ils testent. C'est un groupe de plusieurs centaines de personnes, voire un petit millier de personnes. Et en fait, pour chaque build, de façon générale, CIG, pas dire qu'ils imposent, mais ils encouragent fortement à tester certains éléments. Et il y a des règles qui encadrent énormément les Evocati, genre par exemple, tu ne peux pas faire le PVP sauvage sans l'accord de la personne que tu comptes attaquer pour par exemple tester un élément. C'est encadré. C'est là pour tester plus que pour pouvoir t'amuser. D'accord, Betty qui dit ah oui, donc pour le Corsair, 4 taille 5 et 2 taille 4, c'est même à se demander qui avait validé cette aberration pour un vaisseau d'exploration. On est d'accord. On est d'accord. Alors, j'ai pas trouvé l'info concernant le futur gameplay d'exploration, sûrement jamais évoqué, en effet. Quelqu'un se souvient-il de ce qu'un développeur aurait pu dire sur l'utilité de la map holographique qu'on peut trouver dans un 400i ou un Karak? Il me semble pas que c'est déjà on ait parlé de ça. Après, il y a des chances que. Alors, tel que. On peut l'imaginer, alors là c'est hautement spéculatif qu'on soit clair. Grosso modo, tu vas avoir les senseurs de ton vaisseau qui vont potentiellement réussir à détecter des signaux de quelque chose, d'un point d'intérêt. Reste à savoir comment ça va se passer
identifier ce que serait ce signe d'intérêt. Et dans ce cas-là, pourquoi pas pour communiquer avec les autres membres d'équipage ce que le navigateur entre guillemets aurait trouvé, projeter ça sur l'holomap du 400i ou du Karak. Et 700 Kaiser. J'ai tout loupé, il y a quoi avec le Corsair? Grosso modo, les deux armes taille 5 ont été déplacées à l'utilisation du pilote vers l'utilisation du copilote uniquement. Voilà, pour faire simple. Alors, Fralex, je te rassure, Mirozen est un troll. Il a un peu acerbe, mais c'est un troll. Il est pas méchant. Kaiser qui dit c'est logique, ça c'est pas un chasseur le bordel. Merci. Merci. Enfin quelqu'un qui réagit comme je me l'attendais. Après, bon, qu'on soit clair, Kaiser, il y a une critique que j'entends par rapport à ce nerf du Corsair, c'est que CIG aurait pu s'y prendre autrement. Il est vrai. Mais, en soi, voilà. Fralexis, l'info que j'ai trouvée, c'était une seule phrase dans la vidéo de présentation de la première version du Karak. Il avait dit que les vaisseaux ayant cette feature auraient plus d'infos sur les corps planétaires qu'un vaisseau qui n'en a pas. Bah surtout par rapport à ça, alors ça c'est la justification par rapport au Karak pour le 400i, autre chose, parce qu'il n'y a pas de justification par rapport à ça. Mais le Karak, je rappelle qu'à la base, c'est un vaisseau qui était utilisé par l'armée, comme vaisseau de commandement. Donc la carte stellaire qui était présente dans le Karak était là pour normalement gérer la position des différents vaisseaux et donner des ordres aux fonctions. Mais pour le 400i, bah ça colle pas. Parce que le 400i, c'est juste un vaisseau de luxe. Y'a là qui dit tous ces nerfs avant l'arrivée des RSI, c'est louche. Alors, j'ai des infos. Vous allez être surpris. Mais j'en dis pas plus. Moi, quand j'ai eu les infos, j'étais en mode, mais c'est pas logique. Donc bon, voilà. Alors, quelqu'un dit fumier. Non, mais pas. Alors, qu'on soit clair, ces infos-là, c'est pas genre CIG, c'est pas genre Chris qui m'a appelé en me disant, hé, Derko, je te dis ça, mais tu dis rien à personne. Non, non, voilà. Là, c'est juste, c'est du leak qui m'a été communiqué. Voilà. C'est simple que ça. Donc, mais j'étais en mode... Bizarre quand même, pas logique, mais voilà. La valeur qui dit quand les jump points temporaires seront en jeu, alors il y aura gameplay exploration, vendre les infos de ces points de saut temporaires au premier venu. Bah le truc c'est que CIG, il faut qu'il travaille un petit peu sur ce qu'ils veulent faire par rapport à cette points de saut temporaire, parce qu'il semblerait que ce soit des points de saut qui soient disponibles que pour un vaisseau à la limite. Et ce qui est pas comme ça que j'avais compris en tout cas. Je vais parler vers Castillo, tiens. On va faire les éboueurs. Drake, ça colle bien. Il dit phrase en même temps, pas besoin de jump on pour faire l'exploration. L'exploration, c'est pas seulement trouver les trous de verre, hein, c'est notamment faire de la cartographie par exemple. C'est vrai. Pas la valeur qui dit pour une durée indéterminée, non ? Ah, alors, à la base, oui, mais tout comme à la base, les trous de verre, même fixes, devaient avoir des tailles différentes pour autoriser le passage de certains vaisseaux et pas l'autre. Sauf que CIG est revenu sur le sujet donc. Ça joue qui dit perso, je trouve que la Starmap a encore de gros défauts, je suis d'accord. Et le fait qu'il dézoome pas assez de façon progressive quand tu zoomes dans ton vaisseau et recules pour voir autour, ça fait un énorme back scroll chiant, je suis d'accord avec toi.
Et aussi, quand tu cibles un lieu sur une planète, faut dézoomer toute la map pour tracer la route, sinon tu cibles la planète et plus la destination. Oui, il y a beaucoup de soucis par rapport à la Star Map. Et ça, je l'ai toujours dit, avant même qu'elle n'arrive, la Star Map. Ils me disaient, oh Darko, tu dis n'importe quoi, t'es un hater, c'est tout. Mais bon. Valvalor qui dit genre le point de saut qui sera présent plus ou moins longtemps en fonction du nombre de vaisseaux qui auront augmenté ce point de saut. Bah, la façon que j'ai eu de comprendre ce qui avait été dit dans l'ISC où CIG parlait des trous de verre, c'est que les trous de verre éphémères, ils allaient être disponibles et dès lors que tu allais les ouvrir une fois et que tu allais passer à travers, ils allaient se refermer derrière, définitivement. C'est comme ça que je l'avais compris. Je dis pas que c'est comme ça que ça va se passer, je dis que c'est comme ça que je l'ai compris. Et les heures qui disent c'est un simple voyage aller du coup. Ouais, tout à fait. Pas mal de revenir. Alors le truc c'est que CIG avait expliqué grosso modo les trous de verre éphémères t'amèneraient potentiellement dans les systèmes qui sont déjà connus et qui sont reliés par des trous de verre stables. Qui eux pour le coup ne vont pas dépop. Mais que ça va t'amener à une zone différente du point de sortie d'un trou de verre stable. Donc potentiellement pour, je sais pas moi, éviter un péage, donc un potentiel contrôle de police, ce genre de choses. Un Avenger Solarwinds. Michel qui dit, moi ce que j'ai compris c'est que le quantum est capable de perturber un trou de verre, voire même d'en créer un. Alors, d'en créer un uniquement si de base tu as de quoi générer le trou de verre. Donc, grosso modo c'est un générateur quantum qui était défaillant, qui a permis l'ouverture d'un trou de verre. Le trou de verre techniquement, dans la vraie vie véritable, un trou de verre c'est au niveau de des distances qui sont tellement ridicules, ok c'est pas un vaisseau à moi, que c'est au niveau des distances de Planck, des limites de Planck. Et en fait, donc c'est-à-dire que même un atome peut pas passer à l'intérieur, c'est plus petit qu'un atome. Et c'est l'utilisation donc de quantum fuel notamment, avec un moteur de saut défaillant, comme ça que ça s'est passé initialement. Que tu te retrouves avec le trou de verre qui s'étend à une dimension telle qu'un vaisseau peut passer à travers. Le truc c'est que t'as des points de saut qui sont fixes, donc que tu peux activer, désactiver à volonté et qui ne bougent pas. Et les points de saut qui sont éphémères, où là pour le coup, en effet, c'est être retrouvé avec une utilisation limitée en termes de quantité de vaisseaux qui pourront passer avant que ça se referme définitivement. Avec une sortie qui est totalement aléatoire. On disait. Alors, comme d'hab, le personnage qui en. Je me téléporte. Nous disions donc. Enter et maturette. Putain, j'ai pas l'angle. Ouais, là pour le coup, ça me gonfle. Je vais quand même me mettre avec. Je vais quand même déplacer le vaisseau. Du coup, tu pourrais scanner le trou de verre et revendre les infos, notamment lieu de sortie aux pirates et contrebandiers, par exemple, ouais.
Quelqu'un qui dit, tiens, j'avais pas vu le tracteur mime du Ketlas. Même problématique de conception que le C1 à ce que je vois. Non, au contraire, le C1 est mieux fait par rapport à ça. T'as un meilleur angle puisque le tracteur mine du C1 est carrément en extérieur. Donc t'as moyen plus facilement de d'interagir avec les caisses. Après, je trouve que pour ce qui est de la gestion à l'intérieur de la soute, le rayon tracteur du Ketlas c'est plus intéressant. Et c'est à 100$. Dada, excuse-moi. Je parle trop vite, résultat, je bouffe mes mots. C'est un approche qui m'est fait régulièrement sur la vidéo et a raison. Tout à fait a raison. C'est quelqu'un qui dit, je veux dire l'opérateur copilote, donc inaccessible au pilote, mais oui, tu as raison pour l'angle. Bah en soi, ça me choque pas plus que ça en fait, que ce soit le copilote qui doive gérer le tracteur beam. Encore une fois, l'idée de faire des choix quoi. Moi je veux bien un mode manuel comme celui du Cutlass sur l'Atlas et les vaisseaux ont le mode automatique. Il y a juste un switch de mode avec une touche. C'est vrai que le mode automatique de l'Atlas, ça pourrait être bien que CIG offre la possibilité justement de l'intégrer sur les tracteurs beam des vaisseaux. Comme tu le disais avec un petit switch, un petit toggle que tu actives et. Pas mal. Pas le problème qu'il y a actuellement, c'est que de toute façon, tout ce qui est rayon magique, trop efficace. Que ce soit pour le tracteur beam, que ce soit pour le soin, etc. quoi, c'est beaucoup trop efficace. C'est que c'est vrai que c'est assez pratique. Hein. Parce que là, 11 caisses, bon, hein, voilà. J'avais la flemme de faire 11 allers-retours. Je vous le cache pas. Hop. On a quand même à la fermer à l'arrière. Vite fait. Kazar, quelle question bête? Il n'y a pas de question bête. La seule question con, celle qu'on ne pose pas. Est-ce que les loupiottes dans le cockpit du Cutlass te gênent aussi? J'ai appris à faire abstraction. Mais c'est vrai que ça pourrait être cool qu'on puisse les désactiver. Mais là, non. En fait, non, il n'y a pas de loupiote qui me gêne. T'as de gauche et de droite. Là, ça va. J'ai rien dans mon angle de vue. Après, peut-être parce que j'ai désactivé tout ce qui était mouvement de tête du personnage. Et c'est à son braga. Et résultat, mon personnage n'a pas la tête qui est bloquée vers l'arrière quand j'accélère. Et donc, je vois pas les loupiotes. Peut-être que j'ai trop de FOV. C'est vrai aussi. Moi, c'est vrai que j'ai le FOV de base. Donc, résultat, c'est vrai que. Tout ce qui est périphérique, je le vois pas.
sais qu'à chaque fois ça choque beaucoup de personnes quand je joue, qui me regardent jouer, en me disant mais Darko tu joues avec le FOV de base. Je fais pas. Hicham Kili, pouvoir éteindre la torche de son casque en étant en commande d'un vaisseau serait sympa. J'avoue, ce serait bien ça, putain. Nombre de fois que ça m'est arrivé de monter dans mon vaisseau et de me dire putain, je vais déjà la loupiote du casque, résultat j'y vois que dalle. Je le compte même plus ça. Braga qui a une petite question, il marche le rayon tracteur du raft? Je serais tenté de dire que oui. Vu que les autres rayons tracteurs que j'ai testés pour les vaisseaux fonctionnent. Et cet assaut Nemesis. Ah, phrase dit pas encore. Et ben autant pour jeu. Je pensais, mais non. Joki, tu aurais le même problème que sur Tarkov quand tu équipes un laser déjà allumé et un autre avec d'autres éteints. Tu vas éteindre ta lampe de casque, mais tu allumes celui du vaisseau si t'as le même build, le même bind. Enfin, c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait un bind différent en fait. C'est vrai que j'aime bien le sound design du Cutlass quand même. Ah, le Cutlass est un très très bon sound design. Je trouve que le Caterpillar devrait avoir un sound design semblable au terme des réacteurs. Là actuellement le Caterpillar il a juste pas de bruit quoi. Par contre c'est un soifard hein, le cut. Clairement c'est un soifard. Si j'allais avoir l'ascenseur en visuel, la réponse est oui. Ouais, d'accord là. Ouais. On va tourner légèrement le nez du Cutlass. Par contre, je suis désolé, hein, mais je pense que après cette mission, je vais rentrer au Darkai et je vais me déconnecter parce que là, j'ai le crâne qui va exploser. Et là, j'ai une migraine qui va vraiment pas se barrer. Je pensais qu'elle allait passer, mais point du tout. Au contraire, elle s'aggrave. Pas le seul à avoir le bug du siège du Cutlass. Non, non, pour le coup, je te rassure. Ah putain, je vais te faire le, bah, je vais faire le tirage au sort juste avant de partir. Parce que vu qu'on est le 1er octobre, je vais faire le. Ah oui. Faut que je fasse le tirage au sort pour. Le code de parrainage. J'ai pas lancé le logiciel. Les Arcanites, t'as pas vu assez de lit d'hydratation. Oui, j'ai plus de lit. J'attends ma nouvelle commande. Donc ouais, le bug de téléportation dans le siège là, malheureusement c'est un truc qui est présent quel que soit le vaisseau. Par contre, c'est quand tu veux que tu me donnes... Voilà. C'est capricieux des fois le...
Hop. Voilà, ça passe. Gazer qui dit j'ai fait ma première commande, pour l'instant j'aime bien. Cool, ça te plaît, j'espère. Moi ça fait bientôt un an et demi que je tourne sur Yoli. Elle a commencé en avril de l'an dernier. Ça passe sur mon tracteur, il est top. Annonce de mon corset un nerf. Et en plus, j'ai une pub lubrifiant Durex, c'est joli. On va dire que l'un te permet de faire en sorte que l'autre passe mieux. Hein. Voilà. Kaiser qui dit j'ai pris pour réduire ma consommation de monster, j'espère que c'est plus sain. C'est plus sain. C'est beaucoup plus sain que monster parce que bah déjà il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'aspartame. Excusez-moi. Et je rappelle que les colorants et saveurs sont naturels sur l'île. Donc oui, Oli c'est quand même beaucoup plus simple monster. Et il n'y a pas de taurine en plus. Hop. Dajo Kitty, j'ai vu des gens décaper de la rouille avec du monster et trouver ça plus efficace que les produits anti-rouille. Ah ben ça, pour le coup, c'est connu. Hein. C'est comme pour le coca. Hein. Le coca, tu prends un os, tu le mets à l'intérieur du coca, tu reviens le lendemain. L'os, c'est du caoutchouc. Hein. C'est un... C'est pareil. Quand je dis à chaque fois, hein, de toute façon, Oli c'est législation européenne parce que c'est marque allemande, donc ils sont soumis à la législation européenne, et donc c'est beaucoup plus safe. Bon après vous allez me dire, hein, Coca aussi, hein, mais bon, le problème c'est que j'avais vu une émission il n'y a pas si longtemps à la télé qui montrait que selon que vous achetez votre, dans quel super achat vous achetez votre Coca, la recette est pas la même parce que des fois il peut être créé dans un autre pays. Et importer comme ça et ça coûte moins cher. Donc ça respecte pas forcément bien tout ce qui est législation quoi. Dans le coca c'est de l'acide, le phosphorique de mémoire. Alors, je sais pas quel acide c'est mais en tout cas oui le coca c'est acide. C'est sûr. Après en soi, l'acide phosphorique... c'est pas dangereux, hein. Ça dépend de la quantité. C'est, je sais plus qui, quel scientifique disait « Tout est poison, rien n'est poison, seule la quantité est importante. » Et il est vrai. C'est-à-dire que si je vous dis que les radiations, c'est dangereux, en soi, oui, mais enfin, une banane, c'est radioactif. Hein. J'ai jamais entendu personne se faire tuer à cause de radiation dans une banane. Voilà. Tout est poison, rien n'est poison, tout est question de dosage. Michel Kelly, j'ai acheté un coca dans une petite supérette du coin, ça venait de Pologne, c'est ça. Et donc, pour le coup, là...
Alors, la Pologne, ça reste quand même l'Union européenne, donc c'est même un règlement, mais quand tu prends du coca qui vient, par exemple, je sais pas moi, des États-Unis, t'as des additifs qui sont présents dans le coca aux States qui sont interdits en Europe. Ok, donc on n'a plus qu'à décoller. Pendant qu'on va décoller, je vais créer le tirage au sort. Bougez pas. Donc nous disions, je rappelle, vu que là on est le 1er octobre, je vais faire un tirage au sort. La personne qui sera tirée au sort aura son code de parrainage qui va être mis en avant sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne YouTube, via le bot, etc. Pendant tout le mois d'octobre. Parce que moi j'ai déjà la dernière récompense pour ce qui est du parrainage, donc bah, autant faire profiter l'autre personne. Et résultat. Voilà. Pour participer, c'est rien de plus simple pour l'exclamation Javelin dans le chat. Les Archilias, est-ce qu'il y a un moyen de revendre un vaisseau qu'on a acheté avec des sous in-game? Non, malheureusement. Mais c'est assez indéniable. Donc, je vous laisse faire pour l'exclamation Javelin dans le chat. Moi, je rentre au niveau de leur ville. Et dès que je suis posé à leur ville, que j'ai rangé le vaisseau. On fait le tirage au sort. Comme je disais, malheureusement, vu que j'ai une migraine qui est en train de bien se renforcer là, on va arrêter le stream plus tôt. Mais au moins, quand même, que je fasse le tirage au sort, histoire de. Hop. Et donc, on y va. On a encore quelques secondes, on va dire, quelques dizaines de secondes pour faire pour l'installation Javelin dans le chat et participer au tirage au sort. Tirage au sort de quoi? La personne qui sera tirée au sort postera sur le chat son code de parrainage Star Citizen et jusqu'à la fin du mois de octobre, je le mettrai sous ma chaîne Twitch, via le bot et sous les replays. Et en plus sur les vidéos qui sortiront sur la chaîne principale. Que ça. Sauf qu'il dit de l'heure qu'en speed, ah je veux participer, c'est ouf. Bah, en soi, là pour le coup, c'est. Ça permettrait potentiellement de débloquer pour certains le Gladius. Hein. Un bon bestiaux le Gladius. C'est mon chasseur favori. Et ça t'a semblé être un baisse de lâche? Rafale pour le Gladius, ouais, c'est ça. Sauf que gardez en tête que même si à la fin du mois d'octobre, la personne qui a son code de parrainage mis en avant, n'a pas encore le Gladius en soi, vu que ça va être présent sur la replay de tout le mois d'octobre, pourra très bien l'avoir plus tard. Le temps qu'il y stream plus court, pas 324.2 PTU, pas de tech preview, belle soirée en perspective. Ah, désolé lieutenant, mais là, c'est quand je disais, j'ai une migraine qui veut pas me lâcher. Je le disais en début stream, c'est. Avant de commencer le stream, j'étais en mode est-ce que je lance le stream ou pas. On va quand même parler du cas du corsaire. Et là, en l'occurrence, je pensais que je pouvais tenir, mais pas du tout. À la base, j'avais même prévu de tenir jusqu'à 20h, mais là, je peux vraiment plus quoi. Pour vous dire, j'ai du mal à lire le chat. Pourtant, je suis en mode sombre, hein, mais là, je galère à lire le chat. Je vous raconte même pas. Bon. Cutlass, toujours aussi agréable à utiliser, hein, en soi. Bonne bête. Je dirais jamais assez, c'est le plus gros vaisseau que je pourrais conseiller pour une personne qui jouerait en solo.
Non, elle est bon. Et 7 à 5 Q. Autre question, tu as testé la version Evo, les émulations de rendu avec Vulkan? Non. Je vous cache pas que j'ai pas pris le temps de lancer le build d'Evocati. Je sais, c'est pas bien, mais bon. Et cet assassin très énervé. Donc je rappelle, pour l'exclamation Javelin dans le chat pour le tirage au sort. Pour avoir votre code de parrainage mis en avant. Jusqu'à la fin du mois d'octobre. Là, je fais juste le plein. Je range le vaisseau. Et on fait le tirage au sort. C'est bon, réparation, c'est fait. Hop. Allez. On va passer par les portes latérales, vous allez me dire. Il faut ce qu'il fait pour l'excavation gros vaisseau. Alors, techniquement, oui, mais ça va pas marcher. T'as déjà des 2007? Ouais, j'ai déjà le javelin de mon côté. Ouais. Depuis fin de l'année dernière. Micham qui dit que je suis resté sujet aux migraines. Il y a peu, j'ai découvert que c'était alimentaire. L'emmental, oui, le fromage est uniquement celui-là. J'ai éliminé mon alimentation. Adieu les migraines. Sérieux? Hmm. Bon à savoir. Welcome. Please visit us again. Goodbye. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. On va ranger le vaisseau. Drake, Cutlass Black. Et on monte directement au niveau de du spatioport. Ascenseur. Merci. Je disais, hein, c'est, je préfère ne pas me déconnecter dans le hangar parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est mal passé. Sajou qui dit Gravelove c'est vraiment de la merde, j'ai volé littéralement 10 mètres, j'ai explosé. Ne jamais voler à full vitesse, Sajouk. Avec le Gravelove. Moi j'aurais essayé de faire 70 bornes qui séparaient l'Orville de Edmond en Gravelove et j'ai pas eu de soucis. Voilà, donc faut juste pas y aller trop fort. À part pour l'espace, le sol c'est vraiment l'idée la plus naze. Non, en soi ça fonctionne bien, faut juste y aller doucement quoi. Raspou qui dit quelqu'un sait si la rotation des vaisseaux du mois d'octobre a été faite? Pas encore. En subscriber, non, pas encore normalement. Alors, en même temps, le mois d'octobre vient de commencer. Et généralement, ça arrive quelques jours plus tard, quoi. Bon, je rappelle pour l'exclamation Javelin dans le chat. Je vous laisse encore quelques instants pour participer. Phrase qui dit, il paraît que le gluten présent dans beaucoup d'alimentations actuellement, pâtes, pain, gâteau, pizza, etc., favorise les migraines. Le truc, c'est moi, j'ai pas modifié j'ai pas favorisé mon alimentation depuis. J'ai pas changé mon alimentation depuis pas mal d'années. Et le truc, c'est que, ben, là, c'est. J'ai toujours été migraineux chronique en soi, mais c'est juste que j'ai des périodes où j'ai plus de migraines que l'autre. Et là en ce moment, j'en ai quelques-unes quoi. C'est-à-dire que là j'en ai eu un. Pas. 3 en l'espace de 2 mois. Bon. Ça commence à faire quoi. Bref. Bon. On va faire le tirage au sort. Et c'est l'ascension suprême. Je vois qu'il y a encore des personnes qui participent. Quoi qu'il dit pareil pour les migraines, c'est l'enfer de savoir ce qui concerne l'alimentation. Bah, le truc c'est, comme je disais, moi vu que j'ai pas modifié mon alimentation depuis pas mal d'années, je vois pas. Bref, enfin le tirage au sort, préparez-vous. Préparez une petite musique histoire de... Ouais, ça va être pas mal. Je coupe la musique de fond. Je vois qu'il y a encore des... Allez, à 42, je lance. Encore un participant. Ça y est, je lance. C'est parti. Rien que ça. Allez, go.
Et donc le gagnant est... Quark, Quark, es-tu là? C'est ton moment. Quark, il faut que tu écrives maintenant un message dans le chat. C'est important. Nickel. Donc Quark, ce que je t'encourage à faire, dès maintenant, c'est d'aller sur le site de CIG. De... Alors, attends, je vais te montrer directement, ce sera plus simple. Puf, le site de CIG est ici. Parfait. Donc tu vas sur le site de CIG. Tu cliques sur ton compte ici, et en fait là tu as le code de parrainage. Alors, ne fais pas copier le lien. Si tu le postes, tu vas te faire timeout par le bot, et c'est pas le but. Donc tu copies juste le code de parrainage, et tu le colles dans le chat. Et moi directement, je fais la modification dès maintenant, en plein stream, pour que ce soit présent sur le bot, sous le stream, et également bah, de mon côté, je ferai ça pour le replay des streams du mois d'août. Pouf. Waouh, du mois d'octobre, excusez-moi. Tof qui dit si je mène bien c'est good. Non, parce que c'est Quark qui a gagné. Et ouais. Simple que ça. Je vais dire c'est pas moi qui fais les règles. Si en fait c'est moi qui fais les règles. Mais enfin voilà, les règles sont les règles. Ok, donc le code de Quark c'est STAR-TY2L-L7NH. Et bah écoute, je copie ça de suite. Et je fais la modification de ce pas. Salutations, Shirai. Q qui dit, je trouve ça super ce que tu fais. Je suis pas le seul à le faire, il y a Dayum qui le fait aussi. D'ailleurs, au passage, l'idée... Merci Quack pour l'abonnement 7 mois complet, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous cache pas que... Je sais pas si j'ai... Pour être tout à fait sincère, je sais pas si j'avais déjà eu l'idée quand il a commencé à le faire, ou si c'est parce qu'il a commencé à le faire que j'ai eu l'idée. Les deux cas de figure sont tout à fait plausibles l'un comme l'autre. Pour la simple raison, c'est que Dayum et moi, on a une façon de penser qui... On a deux façons de penser qui sont très 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 semblables. Donc... Hop. Donc, pour le bot, c'est fait. À la fois l'annonce et le point d'exclamation référal maintenant, c'est le code de parrainage de Quark. Je vais terminer quand même en faisant la modification directement sur ma chaîne Twitch. Le titre en rapport au Corsair, c'est pour le nerf. Hop. Désolé, j'arrive en retard peut-être. Oui, mais il n'y a pas de souci. C'est la raison pour laquelle j'ai foutu le titre comme ça, c'est justement par rapport au Corsair, en effet. Le nerf qu'il a reçu, qui pour moi était plutôt cohérent, même si, je suis d'accord sur ce point-là, CIG aurait pu faire différemment pour le Corsair, mais je rappelle que le Corsair reste avant tout un vaisseau d'exploration. Donc, qu'il soit moins efficace en combat... Personnellement, ça me choque pas. Bon voilà, j'ai modifié. Donc si vous regardez sous le stream, hein, vous avez référal ici, ça vous amène directement avec le code de parrainage de Quark, plutôt que... C'est Darkhold, si j'ai pas de bêtises, pour le mois de septembre, je sais plus. Qui était mis en avant. Bon bref. Bon, comme je le disais, moi j'ai une migraine phénoménale, donc je vais gentiment m'arrêter là. Alors... Quittez pas, on va essayer de raid quelqu'un d'autre. Je pense que Chat du Chaos doit être en stream. Bon, qui dit le nerf du Redeemer est pire que ça. Ouais, là pour le coup, le Redeemer, je comprends beaucoup moins la raison du nerf en fait. Merci Quark pour le don d'abonnement, merci beaucoup. Donc ouais, on va raid Chat du Chaos. Hop. Chat. Du chaos. Donc ne quittez pas. Là toi, repose-toi bien. Je vais essayer de faire ça. Ouais. Je vais te poser tranquille. Bref. Donc ouais, on va gentiment s'arrêter pour ce stream de ce soir. Je rappelle que le replay de ce stream sera disponible demain matin à 8h du matin sur la chaîne de replay. Le lien est sous le stream. Ils ont fait quoi pour le Redeemer? Passer les tailles 5 en taille 4. Demain, j'espère que normalement ma migraine sera au moins suffisamment estompée pour que je puisse streamer convenablement. Dans tous les cas, jeudi sera du SnowRunner, vendredi Star Citizen et Kanga, 10h 20h et 20h 23h. Classique. Bref, si ce petit stream vous a plu, comme je disais, ne quittez pas, on va raid Chat du Chaos par rapport à la fin de soirée pour vous.
Si cette stream vous a plu, je vous encourage vraiment à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Twix, Twitch, YouTube et Insta. Tous les liens importants sont sous le stream et en description de vidéo pour ceux qui passent en replay sur YouTube. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Surtout, comme je l'ai dit toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.